Il y a une institution qu'on appelle la Cour pénale internationale. Tout le monde connaît-il ? Ils sont chauffés un matin et ils ont délivré un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Ma question à moi, comme tout le monde, j'imagine, oui, qui va aller chercher Poutine, hein ? Allez, fais-nous voir, tonton, on veut voir. Le jour ils le font, mais faites-le en streaming, je m'abonne. Je veux vivre ce moment. Je dirais, chérie, sors-moi le chorizo de lumière. Je garde la cave depuis 20 ans pour les grandes occasions. Sur le conseil aujourd'hui, donnez-moi des commandos, des professionnels formés depuis 20 ans, revenir en courant, c'est un malade. Vous les verrez, chers Osemac, vous savez pas tout ce qu'on a dû faire. Il y aura des réunions dans tous les pays du monde pour savoir qui attaque, ça finira toujours pareil. Bon, après de mes réflexions, c'est le Cameroun qui va y aller. Hein? Voilà, rien à voir, ta gueule Kérékou, tu vas se rendre là. J'ai hâte de voir le discours du président camerounais aux 20h chez lui. Bon, mes chers compatriotes, une fois de plus, je vous en fais baiser. Hein, voilà. Et là, attention, je mets un supplément dans le streaming pour voir l'invasion de la Russie par un commando camerounais. Ça, je suis prêt à claquer mon PEL. Les gars n'ont pas d'équipement. T'imagines dans la forêt, coucou. Pourquoi vous faites ce bruit? On n'a pas la radio, quoi. Donc, on doit improviser. Coucou! Coucou! Et les Russes, ben, du coup, ils sont là. Voilà, je crois qu'ils nous ont repéré, hein. Pardon. Ils nous ont vu. Non, ils nous ont entendu, quoi. Je crois que c'est coucou. Pourtant, nous sommes dans la nuit, notre élément. Je viens de l'inventer, ça, je suis content.